passé. On est parti du 18 à Paris. On a fait Lille deux jours avec les camarades qui se battent là-bas. Et ensuite, on est parti manifester à Bruxelles entre l'OIM et le Conseil de l'Europe, l'Organisation internationale des migrations, ouais, et le Conseil de l'Europe. Ensuite, on est revenu sur Paris, Valence, et avant-hier, nous avons dormi à Milan. Hier, on a pris le bateau et actuellement, on est ici. Ça s'est très, très bien passé. Partout où on est passé, il n'y a pas eu de frontière. La seule vraie frontière, ça se situe en Tunisie. Aujourd'hui, plus de 800 associations sont d'accord pour la liberté de circulation et d'installation. Mais en réalité, cette liberté de circulation et d'installation, ça concerne qui? Nous, les sans-papiers. Et voilà le résultat. On n'a pas avancé dans ça depuis plus de 12 ans. On empêche les sans-papiers à la porte de Tunis de participer à cette forum social mondial. Frontex, c'est les frontières extérieures de l'Europe qui sont gérées par les gendarmes de l'Europe, mais en Afrique, notamment à Tunisie, à Alger, à Bamako, à Dakar. C'est eux qui contrôlent les frontières, les gens qui veulent aller en Europe. Donc on est déjà bloqué chez nous. Donc Frontex, on a compris que Frontex n'est pas en Europe, mais il est en Afrique.